Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour ma mission coloriage numéro 2. Donc j'ai été retaguée par Morgane Colo Passion. Et du coup, j'ai fait sa mission dans le Tenderfood de Clara Markova. Donc sa mission, c'était de colorier des fruits. J'ai donc choisi ce colo. Donc comme d'habitude, en barre d'infos, je vous mettrai les chaînes des youtubeuses de Morgane Colo Passion et des trois que je vais taguer après. Donc je l'ai réalisé entièrement au Prismacolor et puis le fond je l'ai fait au Néocolor. Donc j'ai beaucoup aimé le faire, je suis restée dans des tons très très girly pour le coup. Donc je sais que Morgane adore le rose, donc je pense que le colo lui plaira. Donc voilà, donc j'ai commencé par mon horloge et puis ensuite ma petite fille. Et je vous avouerai que sur le moment j'ai été bloquée par le choix de mes couleurs. J'ai eu beaucoup de mal en fait à imaginer le coloriage dès le début, puisque généralement je vois à peu près ce que je vais faire, mais c'est vrai que là pour le coup j'ai eu beaucoup de mal à me décider sur les couleurs. Et en fait je pense que c'est parce que j'ai commencé par l'horloge, que je l'ai fait dans les tons or, doré, et voilà. Donc en tout cas j'en suis très contente, je trouve que la mission est réussie par rapport aux cerises. J'ai essayé de m'appliquer sur les cerises et puis après voilà, je suis venue faire quelque chose de très très fille, très girly, avec ses petits coussins. J'aime beaucoup ce colo. Enfin, de toute façon, ce livre, tous les colos sont magnifiques. Donc voilà Morgane. Donc j'espère que ma mission sera réussie, que le colo te plaît. En tout cas, j'ai adoré le réaliser. C'est vrai que j'aime bien réaliser des missions, avoir des petits défis, des petits challenges. Je trouve que ça nous oblige à nous dépasser entre guillemets, à nous appliquer encore plus. Comme quand on filme une vidéo ou un speed coloring, etc. On essaye vraiment de s'appliquer. Donc j'adore ces missions. Et pour le coup, j'ai refait un deuxième, toujours dans le Tenderfull, pour retaguer trois nouvelles personnes. Et donc, ma mission est de réaliser une pâtisserie. Donc, quand j'entends pâtisserie, ça peut être aussi donc, une pâtisserie, voilà, un petit gâteau, etc. Ça peut être des biscuits. Et si, pour les personnes que je vais taguer, vous ne trouvez pas de pâtisserie, vous pouvez élargir sur les bonbons ou les glaces. Voilà, les glaces, c'est pas trop la saison, mais bon. Si vraiment vous ne trouvez pas de biscuits, de pâtisserie dans vos livres. Donc, moi, j'ai réalisé celui-ci. Sur un cupcake. Donc j'ai beaucoup beaucoup aimé le faire, j'ai vraiment essayé de faire quelque chose, enfin de m'appliquer sur l'élément principal qui est le cupcake. En plus j'adore à la base manger ces trucs là, c'est bourré de sucre et tout. Donc voilà, donc j'ai essayé aussi de ne pas forcément reprendre les mêmes couleurs que j'avais pris sur le coloriage précédent, ce qui n'est pas toujours évident, puisque c'est vrai que dans les Clara Markova, vous avez toujours des feuilles, vous avez toujours des fleurs. Donc c'est vrai que mes feuilles, j'ai tendance à utiliser toujours les mêmes verts. Je sais pas pour vous, mais là, dans les Prismacolor, on a des couleurs qu'on utilise généralement tout le temps. Donc j'essaye de prendre les couleurs que j'utilise le moins. Donc voilà pour ma mission. Donc, pour cette mission, je vais taguer trois personnes. Alors, je le précise tout de suite, c'est vrai qu'en ce moment, les missions tournent pas mal. On en voit sur quasiment toutes les chaînes. Et bah, on n'a pas tout le temps d'enchaîner les missions comme ça. Donc, pour les personnes que je vais taguer, si vous n'avez pas le temps, il n'y a pas de problème. Dites-le moi en commentaire, je comprendrai parfaitement. Puisque je sais que les personnes que je vais taguer, ils ont des missions à réaliser. Donc, voilà. Donc pour cette mission pâtisserie, je vais taguer Steffi Sweet Color, les colos de Sab et la vie colorée de Stello. Voilà les filles. Donc je vous mets leur chaîne en barre d'infos. Comme d'habitude, à la fin de la vidéo, je vais vous mettre les deux coloriages réalisés. Donc celui-ci pour ma mission cupcake pour les trois filles que j'ai taguées. Et celui-là que j'ai réalisé pour la mission de Morgane Colo Passion sur les fruits. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Il n'y en aura pas dimanche puisque du coup j'aurai pas grand chose à vous présenter puisque je vous ai déjà parlé de ces deux colos là. Donc on se retrouve la semaine prochaine quand, je ne sais pas encore, j'attends mon planning. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas en commentaire à me dire si j'ai réussi ma mission. Les filles, si vous acceptez la mission pâtisserie. Et puis, bon colo et surtout, profitez bien de ces moments de détente.